Amis des trains, bonjour et bienvenue sur le site letraindemanu.fr. Aujourd'hui, je vous propose un reportage sur l'événement « Train à l'heure » qui s'est déroulé le week-end des 23 et 24 septembre dernier à Passy-sur-Eure. Pour conclure ce reportage, nous allons monter à bord d'un train marchandises voyageurs, tracté par la Chéronne. En effet, tout au long de ce week-end d'anniversaire, le chemin de fer de la vallée de l'Eure proposait de nombreuses circulations entre la gare de Passy-sur-Eure et la gare de Breuil-Pont, située 8 km plus au sud. Les ferrovifiles ont ainsi pu profiter de parcours en couplage d'autorails Picasso et ABJ, en train tracté par la BB 63000 ou par la Chéronne, selon les horaires. Il est grand temps de monter à bord de notre train touristique, car les équipes sont en train de placer la Chéronne en tête de rame. Je vous souhaite un agréable voyage dans ce paysage normand. Nous voici arrivés au terminus de Breuil-Pont. Le temps de remettre la locomotive en tête de rame et nous repartirons à pleine vapeur en direction de Passy-sur-Eure. C'est sur ces belles images que se clôturera ce long reportage. Si le CFVE est déjà rodé sur des manifestations de ce type, l'AMCF, jeune association, organisait là sa toute première exposition. On ne peut que féliciter ces deux structures qui nous ont offert un événementiel varié et d'une grande qualité. Un tel partenariat méritera d'être renouvelé à l'avenir. Je tiens à remercier tout particulièrement Jean-Pierre Osset, le président de l'AMCF, dont j'étais l'invité privilégié et qui m'a permis de vous proposer ce reportage. Je remercie également Nicolas Walker, ferrovifile alsacien, qui m'a véhiculé spontanément en voyage retour de Breuil-Pont, pour vous capter les images de ce train touristique. Je remercie enfin tous les ferrovifiles photographes qui m'ont envoyé des centaines d'images. Elles ont largement contribué à enrichir le contenu de ce reportage.